Coucou mes mandas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Family Sphere spéciale fête des pères et nous allons apprendre à réaliser une petite carte robot. Pour ceci il vous faudra le patron que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Ensuite il vous faudra une feuille avec un stylo ou un feutre. Et enfin il vous faudra des ciseaux et de la colle. Pour commencer, nous allons prendre notre feuille, nous allons la plier en deux. J'ai choisi une feuille jaune et bien évidemment, vous pouvez prendre une feuille de la couleur que vous souhaitez. Le mieux, c'est que la feuille ne soit pas ni verte ni bleue pour que votre robot ressorte bien sur votre carte. Je vais donc plier ma feuille en deux. Une fois que cette feuille est pliée, on va venir commencer par découper les différentes parties qui se trouvent sur le patron. Une fois qu'on a découpé l'ensemble des différentes parties de notre robot, nous allons les assembler pour former notre carte. Pour ceci, c'est très simple, vous avez un petit modèle ici, il suffit de coller à peu près les morceaux en fonction du modèle, mais on va le faire ensemble évidemment pour que ce soit encore plus facile. Donc ici, on a le ventre que l'on va venir placer donc au centre. On a cette petite partie qu'on ne retrouve pas tout à fait ici, en fait c'est le carré du centre qu'on va replier en deux. En fait ça nous servira à coller ici au milieu, mais aussi à laisser un petit message à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on a également les bras et les jambes. Donc les petites jambes évidemment elles viendront en bas. Et les bras, vous pouvez les coller soit tout droit, alors peut-être qu'ils dépasseront un peu de votre feuille, les bras sont un peu longs. Donc vous pouvez les glisser un petit peu en dessous si vous voulez les mettre droit. Ou alors vous pouvez les mettre un peu de travers. Moi je pense que je vais en mettre un droit et un de travers, histoire de faire un peu original. Ensuite, on aura la petite tête du robot à mettre à quelques petits millimètres du corps. Ses petits yeux, la petite bouche et enfin son petit chapeau là en haut de la tête. Et voilà, donc j'ai formé mon robot à peu près. Maintenant on va venir coller chacune des parties pour que ça tienne évidemment sur la carte. Et voilà, j'ai fini d'assembler ma carte, elle est presque prête, elle est trop mignonne. Il suffit maintenant de marquer pour papa sur la petite partie ici qui se trouve sur le ventre. Et ensuite, à l'intérieur, pourquoi pas écrire « Bonne fête » puisque c'est pour la fête des papas. Et réaliser un joli petit cœur. Et voilà, notre carte robot spéciale fête des pères est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous vous êtes bien amusé à le réaliser, qu'il va surtout plaire à votre papa. En attendant, nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Family Sphere. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc... à bientôt, bye bye.